bizarre, il s'est passé des choses extrêmement fortes. Vous répondrez, si vous me posez la question tout à l'heure, je vous répondrai. Mais ça a complètement changé ma façon d'envisager le cinéma. Comment un réalisateur qui n'est pas natif d'un endroit, qui n'est pas chargé par cette histoire-là, je n'ai aucun ancêtre qui était esclave, ni esclavagiste, comment peut-on, dans ces conditions, représenter au cinéma une histoire qui ne vous appartient pas? Quand on est d'une culture, traditionnellement, on dit ça, on n'est pas d'une autre culture, on ne peut pas la comprendre. Et c'est souvent perçu, en tout cas par la très très grande majorité de mes collègues européens, occidentaux, c'est de dire, ok, j'y vais pas, je m'en occupe pas, et si je fais un film à La Réunion, on me donne 300 000 euros, je prends les décors, je fais venir les comédiens parisiens, je mets un peu à l'arrière-plan, un peu de la figure du coin du local, et puis je fais mon film